On va voir un petit exercice sur le théorème des gendarmes. Donc on va par exemple calculer la limite de un, qui est 3 cosinus n plus 4 sur n plus 2. Donc on rappelle que pour le théorème des gendarmes, il faut montrer que un est compris entre vn et wn, deux autres suites, et faire la limite de ces suites. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a cosinus n. Donc ce qui vient avec cosinus n, c'est qu'il est compris entre moins 1 et 1. Donc on va partir de là. Ça, c'est une petite astuce à retenir. Que le cosinus n, il est compris entre moins 1 et 1. Et là, maintenant, on va construire le un au fur et à mesure au milieu. Donc, on va d'abord multiplier par 3, qui est strictement positif, donc on ne change pas le signe de l'inégalité. Donc là, on multiplie par 3, donc 3 cosinus n, 1 fois 3, ça fait 3, et moins 1 fois 3, ça fait moins 3. Donc maintenant, on a 3 cosinus n, maintenant, il faut faire plus 4. Donc maintenant, on fait plus 4. Donc là, moins 3 plus 4, ça fait 1. Au milieu, on a 3 cosinus n plus 4. Et là, 3 plus 4, ça fait 7. Et enfin, dernière étape, il faut diviser par n plus 2. Maintenant, on divise par n plus 2, qui lui aussi est strictement positif, puisque le n est positif. Et donc, on ne change pas le signe de l'inégalité. Il faut bien penser à justifier quand on multiplie ou divise par un nombre dans une inégalité, que c'est positif ou négatif, pour savoir si on change le signe de l'inégalité ou pas. Donc là, au milieu, on a 3 cosinus n plus 4 sur n plus 2. Ici, ça nous fait 7 sur n plus 2. Et là, ça nous fait 1 sur n plus 2. Donc notre Vn, c'est 1 sur n plus 2. Et Wn, c'est 7 sur n plus 2. Et donc maintenant, il faut faire la limite de ça et de ça, en espérant que ce soit la même. Et à ce moment-là, eh ben, ce sera aussi la limite de un. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 sur n plus 2, donc là, ici ça fait 1 sur l'infini, donc ça fait 0. Et donc on fait pareil pour le 7 sur n plus 2, donc 7 sur n plus 2, ça fait 7 sur l'infini, ça fait aussi 0. Donc on voit que c'est la même limite, donc ça tend vers 0. Ça tend vers 0, et donc forcément, notre un ici, il tend vers 0. Donc, la conclusion, c'est que, d'après le théorème des gendarmes, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de un qui vaut la même que ces deux suites, c'est-à-dire 0. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que quand on veut appliquer le théorème des gendarmes et qu'on a un cosinus, eh bien on part de cosinus n qui est compris entre moins 1 et 1. Bien sûr, ça marche aussi avec le sinus puisqu'il est aussi compris entre moins 1 et 1.